My name is Bayram Kafukinole, and I'm from Kosovo. I'm born in a small town called Jakova. I live now in Serbia. I have a wife. I adopted a child 3 years ago. My wife is from Serbia, so I kind of married my enemy. Je m'appelle Bayram Kafukinole et je viens du Kosovo. Je suis né dans une petite ville appelée Jakova. Je vis maintenant en Serbie. J'ai une femme et j'ai adopté un enfant il y a 3 ans. Ma femme vient de Serbie, alors j'ai en quelque sorte épousé mon ennemi, ça me permet de mieux le connaître. Je viens d'une famille soufie, une famille de derviches. Dans ma famille, nous chantons habituellement chaque semaine et nous chantons pour nos dirigeants, pour notre Dieu. Je pense que c'est de là que je tire mon talent musical. Mon grand-père jouait aussi du violon, comme dans une famille rom typique. Mon oncle paternel était également un très célèbre producteur de musique à cette époque. De la musique folklorique albanaise, produite au Kosovo. J'ai donc grandi avec la langue et la musique albanaise, présente dans la région. Pour moi et mes racines, comme pour la musique rom par exemple, c'est arrivé très tard, parce que nous vivions dans une ville où 95% de la population était albanaise. Et à cause de la discrimination que nous avons subie pendant toutes ces années, de la part de mauvaises personnes, quel que soit leur drapeau ou leur religion. Vous savez, les Roms sont les Roms. Et vous êtes malheureusement comme une communauté de seconde classe dans le pays, même aujourd'hui. Sadly. Created a band called Gypsy Groove, which now we are around 12 years together, but we are not only Roma. Mais j'ai créé un groupe appelé Gypsy Groove, avec lequel nous jouons ensemble depuis environ 12 ans maintenant. Mais nous ne sommes plus seulement Rome à présent, je suis le seul dans le groupe. Nous avons des Albanais, des Macédoniens. Je suis parfois en Serbie, mais c'est toujours comme si j'étais basé au Kosovo. Et je pense que nous sommes le seul groupe dans les Balkans qui joue non seulement de la musique rom, mais qui crée également un nouveau style rom, une nouvelle vague musicale. Nous essayons d'être une nouvelle génération, une nouvelle vague de musique rom. Je pense que c'est ce qui fait le groove manouche, comme de parler de notre vie quotidienne, mais aussi faire prendre conscience des problèmes les plus importants que nous avons dans notre communauté, comme celui de responsabiliser nos femmes. Et c'est là mon objectif, car je pense qu'en tant qu'homme, je dois montrer que les femmes sont également très importantes dans notre communauté, et pas seulement au sein de la population du Kosovo. Then she steal from the father some shots of rakia. This is the spirit of Balkan mania. She wanna dance, forget everything, cause she has a itchy feet of a... She's very feminist on the space.
some shots of Rakia. This is the spirit of Balkan mania. She wanna dance, forget everything, cause she has to eat your feet up. People don't know so much. My band, they don't know. Les gens ne nous connaissent pas beaucoup. Ils ne savent pas grand-chose parce que nous avons des problèmes avec les visas. La plupart des membres de notre groupe doivent demander un visa, et ça prend beaucoup de temps pour l'obtenir. Ils vous posent des questions sur la date de naissance de votre mère, celle de votre père, votre numéro de compte. Ils doivent vraiment tout savoir. Tout. Nous ne pouvons donc pas voyager librement, même si l'on pense que les droits de l'homme sont un droit fondamental, aussi au Kosovo. Nous n'aurons peut-être plus ce problème depuis une récente décision, prise il y a environ 2 mois. Probablement, si la politique se passe bien, nous pourrons voyager librement sans visa l'année prochaine. C'est l'un des pays les plus jeunes d'Europe, non reconnu par la plupart de nos voisins. Mais je pense que c'est le plus fort, car 60% de la population a moins de 25 ans. C'est le potentiel que nous possédons, et l'envie que nous avons de voyager et de découvrir la culture européenne. C'est bien plus que d'autres pays voisins, qui eux sont libres de voyager. Et je me dis, comment pouvons-nous nous éduquer culturellement, si nous ne pouvons pas voyager, nous ne pouvons pas voir les choses, nous ne pouvons pas les goûter, nous ne pouvons pas communiquer avec les autres gens. Je veux dire, nous pouvons le faire avec Internet, mais ce n'est pas naturel. Je pense que la liberté de se déplacer est un élément important pour la jeune génération au Kosovo. Let's do it! This is the spirit of Balkan mania. She wanna dance, forget everything, cause she has to eat to feed up. Gypsy Groove in the house. So I think our harmony in the band is very beautiful because we didn't know. Je pense que l'harmonie au sein de notre groupe est très belle parce qu'on ne se connaissait pas quand nous nous sommes rencontrés. Nous travaillons si bien et nous n'avons jamais eu de problème de ce côté-là. Pour nous, la création musicale, c'est comme un assemblage. Un des membres du groupe est un fan de métal et un autre, un maître de jazz. Un autre, c'est un professeur. Un autre, le bassiste est un violoniste classique, mais c'est aussi un joueur de basse, avec tout le reste. Et la clarinette joue aussi à la Philharmonie de Macédoine. Vous savez, c'est tout simplement fou. Nous aimons tous l'amitié et la bonne musique, nous voulons la présenter aux gens, et je pense que c'est très beau. C'est comme s'il n'y avait aucune barrière politique, ni de ceci ou de cela, tu es macédonien et toi kosovar, ou n'importe quoi d'autre. La musique est un langage que nous comprenons, que nous pouvons utiliser et que nous aimons. Nous jouons certaines des vieilles chansons roms, mais à notre nouvelle manière, et nous avons aussi nos chansons alternatives. Je compose des musiques, j'écris des paroles, et je laisse les autres ajouter leurs éléments comme ils veulent. C'est souvent du ska, et aussi dans le genre groove funk.
beaucoup de paroles rebelles et antipolitiques, d'anti-droite, de lutte contre le fascisme et le racisme. If Europe opened the door for us because of the visa, vous êtes l'Europe, ouvrez-nous la porte. Grâce aux visas plus faciles, je pense que nous allons avoir beaucoup de succès en jouant, parce qu'on ne fait pas de vidéos. On reste classique. On joue, et si tu veux nous entendre, viens nous voir en concert, parce que c'est comme ça qu'on peut te montrer. Nous sentons l'ambiance, nous sentons les gens et la foule, et nous aimons la foule. Aujourd'hui, tout est une question de clics, de likes, combien tu en vends, tout est à propos de ça. Cela ne nous intéresse pas parce que nous nous soucions plutôt de faire de la bonne musique et faire du bien au public. Je pense que c'est comme ça que nous vendons notre musique et que nous aimons la vendre. Et les gens l'aiment. Quand ils viennent et nous écoutent pour la première fois, ils seront toujours de vrais fans. Pas comme aujourd'hui, des fans numériques. Next year, we are planning to come in Belgium, in Brussels, in Balkan Traffic. L'année prochaine, nous prévoyons de venir en Belgique, à Bruxelles, au Balkan Traffic, et j'ai vraiment hâte de montrer notre puissance musicale et notre énergie à toute la foule là-bas. Je vous invite vraiment à venir, et vous pourrez écouter la nouvelle vague de la musique rom dans ce show.